Mais nous, on a appris dans le temps que tu avais été approché par une major qui t'a même fait venir en Europe et tout ça, qui t'a logé dans un grand hôtel de la place. Tu avais demandé un album de 10 titres ou bien je sais pas combien de titres, mais Lewis n'a pas été capable de produire cet album-là. C'est quoi le truc? C'est vrai, c'est faux ou bien c'est... En effet, c'est parti de ma collaboration avec Mokobé. Quand Mokobé me voit, il vient en Côte d'Ivoire pour sa promo, pour ses studios et autres, à Frédéric Soba. Il fait un tour à Makouri-Gazoua, qui était le maquis d'antan à l'époque. Donc, elle arrive à Makouri-Gazoua, il me voit en plein effet des 100 champions. Tu connais, à faire là, quand moi, j'ai commencé à travailler là, moi, il n'y a pas d'enfer, il faut te beaucoup citer. Il dit, mais ça, il sait, il était au charbon. Donc, il est tendu, mais c'est quel gars ça, là? Tu ne connais même pas sortir, mais ça va sortir. Il est chaque jour, quand il met des habits, tout ça. Il est transpire, donc, enlève. Quand tu es pieds nus dans le travail. Oui, mon frère. On s'en fout. Le bouquin, ça vient après. Après le travail. Donc, mon gars me voit, il est fasciné. Mon copain me voit, il est fasciné. Pas en France, quand il vient encore pour le Congo, il sort sur Guy-Pavien. Il tombe sur Guy-Pavien. Il est encore fasciné. Quand il tombe sur Guy-Pavien, mon coupé maintenant, c'est que c'est un artiste aussi, il aime s'accrocher là où il y a soleil. Où les artistes, quand ils mouillent, quand ils mouillent dans le soleil, il est avec toi. Ça, il faut qu'on dise la vérité. Il a tout fait, il a fait avec Asalfo aussi, il a fait un Moula, il a fait un Lewis, il a fait avec Arafat. Mais c'est ça aussi. Dans la vie, c'est les opportunités. Il faut savoir la saisir. On a fait 12 spectacles en un jour. Mokobé et moi, on a commencé. On a commencé à 8h. Parce qu'on était en boîte, après la boîte, moi j'avais des gombos, il y avait les mini-premières, tout ça, il y avait la pièce à aller, revenir, aller à Divo, revenir, aller à Béjéville, revenir, chanter au concert de Garagis, au palais de la culture à l'époque. Quand on a comptabilisé la fin, Mokobé ne pouvait pas tenir qu'à 22h, il était KO. Moi, ici, on était à 14h du matin, j'ai comptabilisé tout à 12 spectacles. Mokobé, quand il avait été malade, c'est là maintenant. La profession, quand on l'a vu, ah, le gars il est humble, lui c'est cool de sa façon, il a du succès, mais il n'est pas à fond. Tabataba, il m'a promis, il m'a dit, ah, t'es trop bien, c'est différent de ce qu'on dit de vous. Donc il m'a dit, t'es trop bien mon frère. C'était, parfois le comportement c'est important, hein. Ça paye. Hein. Mon frère m'a dit, Lewis, t'es trop bien. Moi ce que j'ai, on m'a dit de toi, c'est parce que je vois que tu te fais tant là. Mais puis même, hormis ça, quand on te voit, on pense que tu es gonflé, tu es guindé, alors que c'est pas le cas vraiment. Faut continuer comme ça. Moi, déjà à l'époque, je te connaissais pas. L'album, le futur qu'on avait fait, Décalé Wolof, quand on remplit les fiches, ça c'est là. Ils n'ont pas mis mon nom là-bas. Ils n'ont pas mis mon nom là-bas. C'est le nom de Moula qui a été mis. Voilà. Est-ce qu'il y avait que Moula et le 10 d'or aussi? Voilà. Sinon, ce 10 d'or, c'était pour tous les différents intervenants. Tu comprends? C'est un morceau qui a eu 10 de platine, 10 d'or. Ah oui! Là-bas, c'est la single, hein, ça compte. Hein. Ouais, bien sûr. Le morceau est 10 de platine, 10 d'or. Donc, tous les différents intervenants que chacun doit avoir. Bah, si c'est 400 millions d'euros, par exemple, ça te donne, c'est divisé par 3. Quand les éditeurs enlèvent pour eux, non, le reste, là, si Lewis a 10%, 20%, 19%, 23% par rapport à son intervention, sur la fiche, c'est comment c'est partagé. Mais moi, j'ai 800. Donc, lui, qui parlait, il m'a versé la carte. On a fait featuring. Parce que, il dit, moi, voilà ce qu'il a fait pour toi. Vraiment. Et puis, partir de cet album, ça va te faire entrer dans le système en France. Et puis, je vais demander à ma manageuse de trouver des trucs. On parle à Abidjan, chez qui et moi, David Taïro. Je sais que vous avez fait un miensien. David Taïro, on va à Dakar. Rien que pour enregistrer ma partie de Mokobé, moi. Parce que Mokobé était là-bas dans la période pour enregistrer avec Youssoumi. Et puis Salif Keita, et puis Viviane. Donc ça sert à quoi si tu dois venir à Abidjan de venir encore enregistrer, venir à Lyon, ils n'ont qu'à venir en même temps, ils vont faire deux jours, puis voilà. C'est comme ça qu'on a fait. Quand la dame est sortie, super carton. Donc Mokobé, déjà avait rempli sa part de. Bah, c'est quelqu'un d'un seul nombre de paroles. Comme on a un album qui sort dans 3 mois, moi je veux une petite avance pour me préparer, pour me constituer. Ouais, non. Il n'y a pas de problème. Donc, le montant m'est assigné. Ils ont fait mon virement sur mon compte à Abidjan. Il était en sous-mêlée. Ce montant, j'ai pu aller voir Koudou Athanase. J'ai dit à Koudou Athanase que je vais faire 4 chansons avec lui. Voilà mon projet, tout. Je voulais qu'il mette. Et je vais faire un album avec lui. 4 titres. Il m'a dit son montant, j'ai payé cash jusqu'au début de l'entente. Je n'ai pas fait ça. Ah, il a reçu ton argent, mais il n'a pas fait les chansons. C'est pas derrière quelqu'un qui parle comme dans la télévision. Ouais. Donc, Koudou Athanase, je n'ai plus ce nouvel. Je viens chez David Taïro. Je fais quelques enregistrements. Maintenant, pour la partie grippale, David Taïro, lui, il veut être en France. Mais pourquoi lui aussi, papa? Bref, c'est papa. C'est logique. Si papa veut aller, c'est parce qu'il veut faire bon produit, mais non pas plus. Donc, faisons ça sur place ici. Et puis, moi, donne-moi les fichiers.
On va aller faire les enregistrements là-bas pour finir. On suit place ici-là. Bon, je viens, j'enregistre quelques chansons sur David, sur le vieux. Quand j'ai fini d'enregistrer ces chansons-là, je dois les avoir sur fichier. Les CD qui lui sont donnés, à l'époque c'était les disques, les CD qui me sont donnés pour les fichiers. J'arrive en France, pour moi il m'a donné un bout de fichier, j'arrive en France. On met les trucs dans le truc derrière, monsieur. Il ne sait pas, c'était une erreur de calcul, un problème technique, il ne sait pas. Il n'y a rien sur les CD. Donc là, maintenant, voilà un autre championnat. Les personnes avec qui il a voulu collaborer n'ont pas été, je ne sais pas, réglos. David Tainro, il ne sait pas si c'est un problème technique, jusqu'au jour où je me pose des questions. On l'appelle. Non, ça n'a pas été. Il faut envoyer ça par email. Email aussi vient. Les fichiers viennent. Il ne faut pas télécharger, c'est zéro.